Je suis. Vous n'avez pas l'air de me porter dans votre cul. J'ai pété avec l'anus, petit con. Vous êtes chiante de nature ou c'est juste pour moi? Sus, l'anus. Je suis plutôt content de discuter, c'est clair. Vous avez confiance en moi, commandant? Vous êtes noir, Jacob. Je n'aime pas les noirs, Jacob. Logique. Vous avez servi dans l'Alliance, vous dites. 5 ans en tout. J'étais en faction aux 4 coins de la... Je m'en fous. Oui, chef. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur les colonies? Rien. Aucun signe de con. C'est comme si les cons s'étaient volatilisés. Ça ne vous pose pas de problème d'être un salaud? Moi, je me contente d'obéir. On ne vous a pas ressuscité pour jouer les cons, commandant. Quels sont vos ordres? N'oubliez pas qui commande. C'est clair? Très clair, commandant. Plus un geste! Razza, laissez-moi m'en occuper. Shepard? Sus, on n'est jamais trop prudent. Baissez vos armes! Tali Zora, ta brasse. Bon sang, Tali! Vous n'allez pas croire ces conneries! Pourquoi votre ancien commandant... Sus! Je ne sais pas, mais s'il s'agit bien de Shepard, il y a sûrement une bonne raison. Vous savez le sort que je réserve à ceux qui me... Sus! Et vous? Tout le monde s'en fout. Nous sommes ici pour découvrir ce qui est arrivé au camp. Dans ce cas, nous pouvons peut-être faire caca. Nous sommes à la recherche d'un jeune caca. Nous l'avons aperçu en atterrissant. Par contre, j'aimerais savoir ce que des caca font ici. Que vient faire un caca sur une colonie humaine? Comment dire, Sus? Je vois. On se tape tout le sale boulot et pendant ce temps, vous en profitez pour doucher. Sous le nez, pas question. Restons con. Restez con. Ok. N'oubliez pas qui commande. Je ne suis aux ordres de personne. Non, Shepard. C'est vous qui travaillez pour moi. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à... Baissez vos armes! Tali Zora. Quand un humain te donne un ordre, tu obéis. T'as compris? Ok, Shepard. On se revoit de l'autre côté. Non. Pourquoi est-ce que les cons n'ont pas résisté, Vétor? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas. Vous ne voyez pas. Moi, j'ai tout vu. On dirait une vidéo de crétin congénital. Il a dû faire le montage lui-même. C'est quoi ce truc, ma bimte? Bon sang, c'est un russe. Je crois qu'on n'en tirera rien de plus, commandant. Génial. Le seul témoin qu'on trouve est trop con pour nous apprendre quoi que ce soit. Appelez la navette. On embarque ce carien avec nous. Quoi? Mais Vétor est blessé, il a besoin de soins, pas d'un interrogatoire. On ne lui fera aucun mal. On veut juste savoir ce qu'il a vu. Ensuite, on lui fera mal. Quoi? Imbécile. Vétor est traumatisé, il a traumatisé, il a besoin de teaser. On va prendre son omnitech et le laisser teaser. Compris, commandant. Merci, Shepard. C'est bon de savoir que c'est toujours vous qui donnez les ordres. Shepard, beau travail sur Freedom's Profess. Les Cariens nous ont transmis leurs conclusions suite au débriefing de Vétor. Rien de neuf. Mais la fesse tendue est surprenante vu nos démêlés précédents. Dans les fesses, la diplomatie peut se révéler très pratique, mais elle est difficile à appliquer pour quelqu'un assis. J'ai déjà compilé une liste de soldats, scientifiques et mercenaires. Vous aurez des dossiers sur la crème de 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 la crème. Vous risquez d'avoir du mal à les trouver et à les recruter, mais j'ai confiance en vos dons de con. J'ai trouvé un timonier qui devrait vous convenir. Il paraît que c'est l'un des meilleurs. Un homme de confiance. Salut, commandant. On rempile comme en 40, pas vrai? Merde. Bienvenue à bord du Normandie version 2.0002. J'ai parcouru rapidement les dossiers. Je recommande vivement Dorsus et Mordine Solus en premier. Vous ne pigez toujours pas. Ce n'est pas vous qui commandez cette mission, c'est moi. Je n'avais encore jamais rencontré une conne pareille. L'agent Lawson a raison sur ce point, Shepard. Qui êtes-vous? Je suis l'intelligence artificielle du Normandie. Je m'en fous. Désactivez-moi ça. Je n'en veux pas sur mon vaisseau. Vous ai-je offensé? Shepard et Guette. Miranda, je vous emmerde. C'est logique, Shepard. L'agent Lawson est une menace pour vous. Je ne conseille qu'une méfiance viscérale. Rien de plus. Maintenant qu'on sait qui commande... Passons à ces fameux dossiers.